Flolo. Oh, oui. Donnette. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, je suis un volant. Un voleur. Ah, où ça? Là, là. Moi? Toi, oui, toi, hein, salut. Non. Oui. Moi? Un non. Voleur. Oui, je ne suis pas un voleur, je voulais juste la crevette. La quoi? La recette. Ah voilà, la recette pour les galettes. La recette des galettes? Oui. La recette des galettes, elle est là. Ah bon? Elle est dans mon cœur. Mais comment je vais faire? Mais c'est avec amour qu'on la fait. Bon. On met de l'amour et... Un peu. Un peu... On prend ce que la nature nous donne. Ben, voilà, j'ai une idée. Ah oui. Je voulais en faire plein. Tu veux les faire avec moi? Eh bien, oui. Alors, pour les galettes, il nous faut... De la bonne farine. Oh oui. De la farine... Bio. Ah oui. Et tu sais de la farine de quoi? C'est de la farine de quoi? Bah oui, je te le demande. C'est de la farine de quoi? C'est de la farine de quoi? Non, de la farine de quoi? De la farine de quoi? De la farine... De quoi? De blé. Du blé. Ah, de la... blé. Ah, mais de la farine de blé. Ben oui, de la farine de blé. Mais toi, tu me dis de la farine de quoi? De la farine de blé bio. Ah, bio. Bio. Bio qui veut dire? Je te l'avais dit. Qui veut dire qui respecte les cycles naturels et sans pesticides. C'est ça. C'est ça. Qui respecte la nature et sans pesticides. Tu peux verser. Lolo. 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 C'est de la farine de blé, bien veux pas. Dedans. Ah, c'est là qu'il faut... Il faut me dire. Respecter la nature, faut pas faire du gâchis, jeter partout, n'importe comment. Ah ben. Et Cécile là qui plante son blé dans son champ, qui va le ramasser, tu crois qu'elle va se donner du mal comment là? Ensuite. Il est trop marrant. Faut remuer. Ensuite, on va mettre un peu. C'est ce que c'est? Oh, miel. C'est du miel. Oui. Bon miel. Oh oui. Ça, c'est le miel d'Élodie à Vassieux. Ah ouais, c'est elle qui le fait? Moi, je croyais que c'était les guêpes. C'est les guêpes qui font le miel. Les abeilles, exactement. Oh, c'est les abeilles, ouais. Et les abeilles. J'allais le dire, hein. Les abeilles. Ouais. C'est quoi? Non. C'est les reines de la communication de la nature. Oh, elles parlent. Elles communiquent. Elles échangent. Ah oui. Parce que grâce aux abeilles. Ouais. C'est elles qui pollinisent. C'est elles. Quand elles vont quelque part, elles le transmettent. Voilà, je vais t'expliquer. Je suis une fleur. Oui, ça, c'est une fleur. Hein. Et la fleur, elle est sur sa tige, elle a la racine, et elle ne peut pas bouger. Ouais. Elle peut juste bouger avec le vent, comme ça. Elle ne peut pas se déplacer. Alors le vent souffle, et elle ouvre ses pétales en grand, grand, grand. Et là, elle diffuse son parfum pour faire venir les abeilles. Et elle leur prépare même une magnifique piste d'atterrissage. La belle, c'est posée sur la fleur. Elle se remplit de pollen. Hop, hop. Et là, hop,
rentrer là. Elle bouge. Et moi? Et moi, petite abeille? Alors, elle lui prépare une manette. Ça se mélange. L'abeille, effectivement, est pleine de pollen, remplie. Elle retourne à la ruche. Et là, toutes les autres abeilles lui disent: où as-tu trouvé ce miel? Mais où as-tu trouvé tout ça? Zip, zap, zoup. 1 kilomètre, 2 kilomètres, champ de marguerite. Zip, zap, zoup, champ de marguerite. Et toutes les abeilles vont détourner les fleurs et ramener le pollen dans la ruche. Oh là là. Les fleurs vont pouvoir se multiplier. Oh, drôlement bien tout ça. Ça donne du miel. Et ça donne du miel. Et c'est ça qui est bien. D'ailleurs, retournons à nos galettes. Ah oui, oui, oui. Alors, avec du miel, mange pas tout. Oh. Voilà. Un peu de miel. Ensuite, pour le gâteau, il nous faut... des œufs. Très bien, des œufs. Ah oui. Je vais aller dans le poulailler. Ah bon? Vite, vite. Attends. Tu peux remuer pendant ce temps-là, hein, mais doucement, t'en mets pas partout. Zip, zap, zoup. 1 kilomètre, 2 kilomètres, marguerite. Les abeilles. Oh, oh, comme ça, elle butine toutes les fleurs. Zip, zap, zoup. Oh là là, elles doivent parler comme ça, toutes ces abeilles. Zip, zap, zoup. Là, zoup. Et une fleur par-ci. Et une fleur par-là. Hé hey. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Non mais ça va pas. Non mais... Alors là, il va... Oh, ouais. Bah dis donc, c'est ce que j'en fais, moi. Mais Anard. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, qu'est-ce que tu fais avec moi? Mais je vole, regarde. Tu je vois. Fais l'abeille. Ah, voilà ce que j'en fais des abeilles, moi. Oh là là. Alors, à propos de voler. Oui. Eh ben quoi? Tu as eu? La crevette? La recette! La recette! Elle a dit que. Elle était là. Quoi? Oui, elle est là, la crevette. Où ça? La recette! Mais dans son. Cœur. Dans son. Oh cœur. Non! Tu t'appliques! Hein? Tu t'appliques! Ouais! Et tu la voles pour de vrai! Je vole la. Elle a tout fait là? Mais non! Elle a tout fait! Et on n'a pas fini! C'est pas fini! Non! Ils ont pas fini! Non. Ils ont pas fini la recette? Mais si. Non. Chut, tu te rappelles? De quoi? Oh, tu m'exaspères! Là, c'est quoi, là? Non, c'est quoi? Fric. Voilà. Et pourquoi? Avec qui on va se faire du fric et pourquoi? Avec le roi d'Afrique. Avec le roi d'Afrique, on se fait du fric. Ah bon? Avec la recette. Dépêche-toi. Et fais ça bien qu'on soit pas embêté, hein. Ouh là là. Oh, c'est pas possible. Oh, Flolo. Oui. Regarde ça, mes poulettes, comme elles ont été formidables. Oh. Mais c'est t'as vu ça? C'est des œufs. Mais oui, des beaux œufs. Les beaux œufs de mes poulettes. Ah mais, qu'est-ce qu'il a, celui-là, là? On dirait c'est une plume. C'est une plume. Oh! C'est une plume de galinette! Ah, mais elle est collée. Elle était collée avec du. Tu veux dire que ça lui sort du. Oui, bah oui, les œufs ça sort du. Ah! Mais c'est dégoûtant! Ah! Mais Flolo, t'es bête! Mais quoi? On met pas la coquille! Ah, bah oui! C'est vrai! Voilà! Casse les œufs! Ah ouais! Là! Ah.
Tu mets pas la coquille dedans, hein? Pas. Non. Oh non. Il a mis les coquilles. J'ai pas mis la coquille. Il en a mis au paquet. Il a mis carrément dans le. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Il a mis la coquille. La paille. Oh. Une petite coquille. Une petite grosse. Des petits bouts. Après, qu'est-ce qu'on met dans le galette? Eh ben, j'ai ramené des pêches. Parce qu'en ce moment, c'est la saison des pêches, des brugnons, des abricots. Et tu vois ces pêches? Tu vois comme elle est magnifique? Ah oui, la belle. Eh ben, c'est grâce à l'abeille. Ah, tu es l'abeille. L'abeille, elle est venue sur... Tu te rappelles où elle est venue, l'abeille? La fleur. Sur la fleur. Et puis après, sur une autre fleur. Et là, elles se sont pollinisées. Et là, puis ça a grossi, grossi, grossi. Et la fleur est devenue cette magnifique pêche que nous allons mettre dans les galets. Ah oui. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Des ananas? Non, on a mis le miel. Des ananas? Ben oui. Des ananas. Comme ta cousine d'Afrique. Ma cousine d'Afrique, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de ma cousine d'Afrique. Ah bon? Mais justement, tu vois, les ananas, oui, ça pousse effectivement en Afrique. Afrique. Donc et l'Afrique, c'est loin. Oh là. Donc pour que les ananas de loin, ils viennent jusqu'ici, là. Ouais. Eh ben, il faudrait prendre... L'avion. Il faudrait prendre... Le train. Il faudrait prendre le... Bateau. Il faudrait prendre... La voiture. Ah, plus gros même. Les hélicoptères, tout ça. Et tout ça. Ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'essence, beaucoup de pollution. Oh là là. Et ça fait du réchauffement. Du réchauffement? Eh ouais. Ah. Eh ben oui, l'effet de serre quoi. Ah mais l'effet de serre. Ben oui. Oh. L'effet de serre. L'effet de serre comme... Ben, comme une serre, tu sais, quand tu fais pousser tes patates ou tes tomates. Allez, comme on fait pousser les légumes. Et comme ça, c'est plus chaud. Comme ça, c'est plus chaud et comme ça, ça pousse mieux. Oh, ça chauffe et ça pousse mieux. Toute la planète après, eh ben, ça lui fait un effet de serre. Oh. Ça change les températures. Mais c'est bien, ça. Non, c'est pas bien. C'est pas bien? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. On veut pas d'effet de serre. Mais non, on veut pas d'effet de serre, on veut pas des ananas ici. On veut pas des ananas ici. Si on veut des pêches, on veut des abricots, on veut des... Les ananas, ça pousse là-bas. Oh, mais s'il n'y a pas d'effet de serre, comment je vais faire pousser mes ananas? Mais quoi? Il comprend. Eh ben, on mettra pas d'ananas. Ah. Et qu'est-ce qu'on met alors? Les murs. On pourrait mettre... Des raisins secs? Des raisins? Oui. Mais c'est pas la saison. C'est pour ça que je te dis des raisins secs. Ah bah oui. Les raisins, on les ramasse, par exemple. On les ramasse quand, les raisins? Voilà. Au mois en automne. Septembre, par ouais. exemple. Oui. Oh, t'es... Dedans. Ouais, par là. Après, on peut les faire sécher. Ah bah... On les conserve. Ah oui, dans le congélateur. Le congélateur, il faut une prise électrique, il faut encore beaucoup d'énergie. Non. Ah. Il y en a plein d'autres de l'énergie. Regarde,
celle qui nous éclaire là, le soleil. Oh, je sais Danette, un congélateur solaire. Non. Et tu sais ce qui fait bouger les fleurs aussi pour le que le vent. Ah, le vent. Ils sont trop forts. Ouais. Le vent, le soleil. Le vent, le soleil. Et tout ça. Et dis donc, ça fait du vent. Hein. Alors, tu vas aller chercher ces raisins? Mais c'est pas bon ça, les raisins secs. C'est pas bon? Oh non. Oui, moi j'aime pas. Oh, c'est meilleur les ananas quand même. Ok, pas de raisins, pas d'ananas. Juste les pêches, ça ira bien. Ah ouais. Ah. Elles sont bonnes les pêches. Hein. Et elles font plein de jus en plus. Comme ça, on n'a pas besoin de rajouter du lait.